Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Salut tout le monde, c'est Elysium, j'espère que vous allez bien. Et les gars, moi, je vais pas bien. Pourquoi ? Je crois bien que c'est officiel, les gars. Je crois bien que c'est officiel, malheureusement. Aujourd'hui, on va faire un match. Non, sérieusement, bon, je suis dégoûté, mais ça va quand même. Donc aujourd'hui, on va faire un match avec ma BPL. Donc voici ma BPL, voilà. On peut appeler ça une BPL rose, voilà, si vous voulez. Parce que j'ai fait les versions futistes. Bon, la version évolutive de Moussa, je pourrais pas la faire. Pas assez de crédit. Surtout que je suis en train de me fonder une deuxième équipe que je vous ferai plus tard. Mais vous voyez mes crédits que je suis un petit peu à la rue. Là en termes de SDF, il y a des SDF beaucoup plus riches. Bon bref, là déjà on va remonter les crédits, on va avoir 500 ou 600 crédits. On va partir en saison 5, en division 5, voilà, je suis chaud en ce moment, voilà. Je suis du division 5, là je suis en 2-0 en division 5, y a pas trop de problème. Ok, alors regardons l'équipe de notre adversaire, il a le maillot et truc de... Joli, donc déjà je vais prendre un petit screen, parce que c'est une très belle ligue, hein. À part des pailles, mais sinon il y a tireur d'à côté, voilà. Putain, on a un tireur de penalty, on a un gars qui tire à côté. Eh ben, non, je m'appelle Nazet et Cavani, le joueur le plus TCC du monde, Adrien Rabiot. Et c'est pas parce qu'il joue au PSG, hein. Même pas au l'État, il est payé, pas le vrai pour l'État, hein. Sur YouTube, il l'insulte. Pour te dire, alors qu'il est parisien. Ok, alors le gars a l'air d'être un minimum chaud, tu vois. Le gars est chaud. Il fait des jeux de passe, pas des jeux de passe. Ok, première frappe contrée. Pas mal. Puis vous avez vu hein, que j'ai les versions SBC futise. Bah, le SBC évolué, quoi, de Butland et Smalling. Elles sont assez cheatées comme version. Ravir Pastore, il fait partir en L1 triangle. Oula, des pailles. Oula, là, c'est des chauds. C'est moi qui ai fait une erreur, hein, mais voilà. Ça a failli me coûter cher, et merde. Ça a failli me coûter cher. Ah, mais Mendy va trop vite, c'est abusé. Après, faudrait que je regarde sur sa carte boost. Ok, but de Cavani. Ah, Mendy, par contre, vraiment, je sais pas ce qu'il y a ici là, mais il va trop vite. C'est impressionnant. Il va plus vite que Vardy. Alors, Vardy, il a 93 quand même, hein. Ok, 1-0 du coup pour l'adversaire. Non, c'est pas grave. Hein. Je vais essayer de remonter. Par contre, il est vraiment solide en défense. Pénal Z. La casette, pardon. Il est content. Il a fait ça de lac de nerf, il est content. Et le centre-tête là qui a bien failli rentrer. Mais bonne défense. Ok, l'arrêt de Butland sur ce corner. Moussa. Et temps de l'accélération, je l'ai dépassé. Alors, allez là. Normalement, j'ai plus vite que Rabiot. Et j'enroule. Et putain. Ouais, parce que là, Moussa qui me rate ça. Et but d'N'Golo Kanté. Par contre, Moussa, voilà, qui me rate ça. Ça, c'est pas normal. Hein. Mais bon, bref. L'essentiel, c'est que ça fasse but. Un partout dans ce match. Grâce à une belle accélération de d'Amen Moussa. Moussa, je sais pas. J'ai jamais su, depuis le début du jeu, j'ai jamais su. Kanté qui a fait une belle récupération pour Moussa. Et Moussa qui va encore une fois accélérer. Amène Moussa. Ok, je vais faire la passe ici à Kanté. Et je vais enrouler avec N'Golo Kanté. Penalty. Ouais, penalty. Penalty pour Lyon. Non, ce n'est pas pour penalty pour Lyon, mais c'est pas grave. Ok, alors je vais le tirer avec Butland. Hein. Ok, c'est but. De peu, mais c'est but. 2-1, voilà, j'ai marqué deux buts assez rapidement. Et but de Jack Butland, je sais que ça c'est impressionnant, mais voilà le penalty. Il passe juste en dessous de son ventre. En tout cas, il avait plongé du bon côté, donc bien joué à lui. Mais voilà, belle exécution de Butland, même si ça paraît bizarre. Rabiot, Pastore. Oula, je me suis trouvé en défense, What?
Qu'est-ce que tu fais, Butland? Et but de pénal Z, c'est non pas un penalty cette fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Butland? Laisse-le rentrer, s'il te plaît. Petit pont, wesh. Wesh. Il est sérieux, là, Butland? Tain, ça y est, il a marqué un but, il se sent plus, là. Il se prend pour un joueur. Ça y est. Non, dégoûté. Ok, encore une fois, il fait son jeu de passe. Alors, Edinson Cavani face à N'Golo Kanté. Il est très rapide, Cavani, sur cette carte. Je crois. Oula, il a même failli être un peu trop rapide. Et quelle parade de Butland. Qui sauve ce match pour l'instant. Donc, on va regarder les stats à la mi-temps. Ok, il me domine. Il n'y a pas à dire. Que ce soit en termes de position, en termes de frappe, en termes de frappe cadrée. Il me domine de tous les côtés. Qu'est-ce que c'est cette merde là de Xuz Monkey? Oh, bien belle parade là de son gardien, je sais pas qui c'est. Quel centre, il y avait personne. Et le but. Le but de Wayne Rooney contre toute attente. Quel but, enfin, quel but de merde, oui, mais quel but quand même. Je sais pas si c'est Rooney qui la touche ou pas. Alors c'est son défenseur, Rooney la touche de la main en plus. Alors, est-ce qu'il va faire la tête plongeante? Il plonge, mais il ne fait pas la tête plongeante et c'est le but. Magnifique but de merde. Il doit rager là. Mais bon, but quand même, 3-2 dans ce match. Et j'ai vu partir Jamie Vardy en bas. Je l'ai vu partir Jamie Vardy. La frappe de Vardy, mais quelle frappe de merde. Et c'est qui? C'est Subasic au gardien. Donc, bel arrêt de Subasic alors. Alors attention. Attention, heureusement que j'ai Bellerin là. Heureusement que j'ai Bellerin. Je pense qu'il va m'être utile. Et oui, Bellerin, bien évidemment, qui stoppe cette action grâce à sa vitesse fulgurante. Alors attention, hein, il a l'air de très bien savoir tirer les corners. Donc ça peut être évidemment très dangereux, et je vous l'avais dit. Bien joué à l'adversaire, voilà. Un centre-tête, mais bon. Oh, c'est que c'était sur un corner, donc ça compte pas. On va dire que c'est pas aussi moche qu'un centre-tête normal. Par contre, frérot, le spoil ralenti quand même, abuse pas. Ouais, Serge Aurier, super, intéressant. Ah, mais c'est quoi ça? Plus un autre thème, votre capture, j'en ai rien à battre. Cavani. Bellerin qui stoppe l'action. Et wesh, gros, mange tes morts. Amen Moussa. L'enroulé de Moussa. Et bel arrêt encore une fois de Subasic. J'essaie de le tirer avec Rooney ce corner. On va voir ce que ça fait. Quelle tête de Vardy qui a bien failli rentrer. Mais encore une fois, bien capté de la part de Subasic. Ah, j'ai essayé de faire la pute. Dommage, dommage. Oula, alors allez attention à cette attaque. Bon, j'ai toute ma défense, mais quand même. Oh, quelle parade, quelle claquette de Butland. Et l'enroulé de Jamie Vardy en pleine lucarne qui passe 4 à 3 dans ce match. Enfin 3-4 si on en suit le panneau d'affichage. Et l'enroulé, Marquinhos qui n'a rien pu faire. Et Subasic non plus parce que cette frappe est en pleine lucarne. Magnifique but de Jamie Vardy. 4 à 3 dans ce match. Ok, N'Golo Kanté là qui récupère un ballon très précieux. Qui va faire la passe. Et là le but encore une fois de Jamie Vardy. Grand, grand, grand Jamie Vardy dans ce match. Et il ne reste plus que 12 minutes pour marquer 2 buts minimum pour l'adversaire. En tout cas, très beau but, hein. Très belle récupération d'N'Golo Kanté. Belle passe et ensuite Jamie Vardy qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le petit filet. Enfin, peut-être pas pousser parce qu'il faut pas abuser, il y avait le gardien, mais voilà. Il n'a plus qu'à marquer très finement dans le petit filet. Ok, on a vu Moussa partir, on l'a vu. Et c'est Marquinhos en défense. On va essayer de le dribbler. Ah, dommage. Dommage, dommage. J'ai voulu faire la passe parce que j'ai vu que Marquinhos il ne se jetait pas, mais bon. Tant pis. Et c'est la fin du match, les gars. Victoire 5 à 3.
Beau match également de Jamie Vardy et N'Golo Kanté. Je comprends pas que soit N'Golo Kanté, enfin quoi que si, Kanté qui a fait également un énorme match. Mais c'est vrai que Vardy en a fait un très bon aussi. Rooney également qui a mis son petit but, et puis évidemment le but de Jack Butland sur penalty. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là du coup je suis à 1 point du match, hein. C'est pas mal hein, 7 matchs pour faire encore 10 points. C'est raisonnable, franchement c'est raisonnable. 3-0 mon bilan, comme vous pouvez le voir. Moi je suis plutôt satisfait de ce bilan. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos avec ma BPL, ou alors peut-être que quand j'aurai fini mon équipe, voilà, quand j'aurai fini mon équipe, je vous ferai une vidéo. Mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Elysium, et ciao tout le monde.